Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour la vie des uns et des autres. Amen. Amen. Ce matin, après la grande veillée de prière, nous sommes dirigés directement aux eaux du baptême, n'est-ce pas? Nous voulons nous baptiser aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous étions à la veillée à la fin, que le baptême, c'est quelque chose de très, très capital dans la vie du chrétien. Tu peux tout faire, mais si tu n'es pas baptisé, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Amen. Et il ne faut jamais s'amuser avec le baptême. Le baptême, c'est quelque chose de très grand. Parce que c'est le baptême qui va te donner accès au ciel. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. C'est très important. Amen. Amen. Donc, là que vous voulez poser aujourd'hui, nous voulons vraiment vous rappeler encore certaines choses. Amen. J'espère que vous êtes prêts réellement à être baptisé. Amen. Amen. J'espère que vous êtes prêts réellement à renoncer à la vie passée. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous allez vous baptiser, vous allez rentrer dans l'eau, ça veut dire que vous voulez crucifier votre vieille nature. Amen. Votre vieille nature va mourir dans cette eau aujourd'hui. Amen. Amen. Et le Seigneur va vous donner une nouvelle vie. Et votre vie, vos péchés seront tous effacés. Amen. Amen. C'est comme si c'est maintenant que vous rentrez dans le monde sans péché. Vous voyez que c'est beau, non? C'est beau, non? Amen. Tu deviens des personnes qui n'ont jamais péché. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc, je veux vraiment que tu tiennes compte de la contour que le baptême entraîne. Amen. Parce que le baptême va te demander des exigences. Alléluia. C'est pourquoi je veux te présenter ça d'abord, avant de t'amener dans les jours. Alléluia. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on priait, on a refusé les idoles. C'est ça. Hein? On a refusé de porter les choses du monde sur notre corps. C'est ça. Hein? Donc, ça veut dire que, effectivement, nous devons confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Venez. Tu veux faire le baptême, non? Venez en retard, c'est pas grave. On n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Je vais prier pour vous, pour vous recommander la main du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, béni soit ton nom. C'est Jésus qui a dit dans ta parole que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur Jésus, tes enfants ont cru à la vérité. Ce sont des personnes venues, Seigneur Jésus, et l'ont accepté, l'ont apporté. Et le moment est venu, Seigneur Jésus, de venir aux eaux de baptême afin de garantir leur salut. Alors je prie, Seigneur Jésus, que le Seigneur souffle aujourd'hui sur les vies. Seigneur, Papa, l'œuvre que nous voulons accomplir ce matin, nous voulons te la recommander. Nous voulons que ton esprit descende. Nous voulons que tu nous accompagnes, Seigneur. Seigneur, envoie tes anges au milieu de nous, Seigneur, règne en ce lieu, Seigneur. Que le livre de vie au ciel soit ouvert et que les noms de tous les baptisés, tous ceux qui sont baptisés, que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Seigneur, tous ceux qui portent des mauvais noms, avec des alliances démoniaques, je prie, frère, pendant ce baptême, que tous ces noms soient ôtés de leur vie. Que toutes les malédictions, les alliances démoniaques, tout soit brisé sur leur vie, Seigneur Jésus. Afin qu'ils reçoivent le nom d'adoption, le nom de Jésus-Christ d'Amérique, le nom qui renouvelle, le nom qui régénère, oh, la vie de chacun des uns, Seigneur Jésus. Papa, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la majesté au sein des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va louer Dieu, on va avoir chanté. Amen. C'est des chants de joie. Hein. Amen. Amen. Nous, on n'est pas venu enterrer quelqu'un ici. Amen. Amen. On n'a pas accompagné quelqu'un qui pleure. C'est un moment de joie. Alléluia. Amen. Vous voulez entrer au ciel. Amen. Et Jésus est là. Jésus est hors portail. Il est comme ça. Donc celui qui est baptisé en même temps, Jésus l'accueille comme ça. Il le fait entrer.
Amen. Amen. Donc tu dois être dans la joie. La joie que tu n'as jamais manifestée la paix. C'est aujourd'hui que tu vas manifester ça. Amen. Amen. Parce que aujourd'hui tu vas prier aussi. Amen. Amen. Maman, je prie un peu. Alléluia. Jésus-Christ ici, on ne peut pas servir dans le réveil, c'est ça. Mais vous pouvez venir à l'église. Amen. Vous ne pouvez pas servir. Vous pouvez venir vous confier dans le réveil. Amen.
Donc vous pouvez servir, vous pouvez venir à l'église, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous, on peut rien vous donner. Vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est ça en fait. Donc, vous êtes vous. Gloire à Jésus. Chauffeur. Non, non, ça, continue à chanter. Toi, tu laisses ça. Tout va m'accuser. Amen. Une personne, bravo. Chantez, 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 chantez. Si tu ne chantes pas, tu seras baptisé. Il a haut, il a haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as fait maintenant. Frère Paul, c'est toi qui m'as mis les gens maintenant dans l'eau. Après
c'est quoi, c'est Marie, viens là, viens là. Abraham, en ta confession, en ta foi, nous te baptisons au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Thank you.
Allez, gars, c'est signe.
Allez, bien Jésus, oh. Allez, bien Jésus, oh. Jésus,
Abraham, mon volo,
Abraham, là, Abraham, là. Ça, c'est la mort d'Abraham. Alléluia, 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 Banela, 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 Yeah.
La vérité,
la vérité. Amen.
Ça reste là, maman. Sophie. La vie qui est en bas là, c'est pas bon. On a capoté. On a capoté comme ça. On a capoté. Amen.
Oui, oui. Les cas ne sont pas les mêmes. Dieu va faire encore, il va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il a le puissant de sauver, il ne change pas. Là, Guinée, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Il est malade, il ressuscite des morts. Il a le pouvoir de sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh, de paix, 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 Leur entrée au ciel. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que c'est une joie. Hein, lorsque une âme se convertit, c'est une joie au ciel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a plus de convertis. Amen. Ce qui s'est passé aujourd'hui, amen. C'est une grande cérémonie. Amen. Dans le monde. Amen. Amen. Dans le monde, lorsque un enfant naît, qu'est-ce qui se passe dans la famille? C'est la joie. Voilà. C'est la même joie qui s'anime au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le monde vous observe. Le monde vous regarde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce qui se passe, c'est que les gens ont décidé de se baptiser. Amen. Toto. Amen. Tout ce que tu vois ici là, ils ont pris la résolution de tourner dos au monde, d'abandonner les fétiches, et de servir le véritable Dieu. Amen. Le véritable Dieu n'a pas d'image, n'a pas de représentation. Je ne sais pas comment te l'a présenté, mais celui-là qui a créé le ciel, la terre, on ne peut le représenter. Et c'est celui-là que ceux qui ont décidé de suivre. Je sais que tu veux, c'est toi qui l'as donné. C'est ça, non? Ou bien,
Donc prochainement, c'est ce matin qu'on va faire ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, nous sommes dans la joie de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Approchez-vous d'ici. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, le Seigneur me met à cœur de vous parler un peu à propos de vous. De quoi je vais vous parler. Amen. Tout à l'heure, nous chantons que désormais Jésus est devant le monde derrière. N'est-ce pas? Le monde derrière veut dire que si le monde est passé, qui est passé est passé. Alléluia. Nous désormais vous êtes considérés comme des citoyens et citoyens du ciel. Vous avez reçu votre carte d'identité du ciel. Amen. Donc, avec votre carte d'identité, vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez au ciel. Alléluia. Non seulement votre carte d'identité, mais également la carte de paiement. Alléluia. Amen. Ce qu'on met dans les guichets automatiques là, et l'argent sort là. Jésus vous remet ça aussi. Amen. Alléluia. Donc, lorsque vous avez un problème, il suffit de mettre votre carte dans le guichet automatique du ciel et les bénédictions vont sortir. Amen. Donc, vous êtes devenus des citoyens, de nouveaux habitants du ciel. Amen. Donc, c'est très important qu'on vous présente le code de conduite du ciel. Alléluia. Sur la terre, il y a une manière de se conduire. Donc, vous savez qu'il y a un record. Oui. Amen. Sur la terre, nous avons une manière de se conduire. Amen. Vous avez une manière de parler. Alléluia. Amen. Au ciel. C'est pas comme ça. Comment désormais ça va se passer? Puisque vous voulez faire votre entrée au ciel. Vous voulez faire votre entrée dans le royaume de Dieu. Alors voilà le coach. David, si vous êtes mort en Christ, si vous êtes mort en Christ, ça veut dire que vous devez vous dépouiller. Le vieil homme, c'est lui qu'on a chassé tout à l'heure. Et c'est lui qu'on est venu enterrer. Alléluia. On est venu l'enterrer ici. Le vieil homme, c'est lui qui se met vite en colère. Le vieil homme, c'est lui qui garde les gens dans le cœur. Il y a un noir, Dieu. Le vieil homme, c'est lui qui insulte. Il y a mal à lui. Alléluia. Amen. Le vieil homme, c'est lui qui ne pardonne pas. Il y a bien. Nous m'envoie. Le vieil homme, c'est lui qui vole. Il y a pas aucun. C'est lui qui ment. Il y a pas lesquels. C'est lui qui s'habille en cesse. Il y a bien à lui. C'est lui qui fume une cigarette. Il y a pas cigarette. C'est lui qui boit alcool. Nous voyons pour lui. Aujourd'hui, alors après, on vient de l'enterrer ici. Bah non. Amen. 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 Donc, si un jour la voix te dit prends la bouteille d'alcool et bois, tu vas lui dire quoi? Que celui qui buvait à l'alcool, là, on l'a déjà enterré. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est là, lui ne prend pas l'alcool. Alléluia. Amen. Celui qui regardait la pornographie. Quelle pornographie qu'il y a. Celui qui se masturbait. Lorsque le plaisir a fini. Voilà, il dit qu'il y a un peu de temps. Tu vas lui dire quoi? Voilà. Celui qui se masturbait avant. Il est mort. Amen. Amen.
Si les gens ne commencent pas à se moquer de toi, ne commencent pas à t'insulter, qu'est-ce que tu vas dire? Celui qui réagissait violemment avant est déjà bon. Est-ce que Kadab peut parler? Non. Lorsque je pique Kadab, est-ce qu'il peut réagir? Non. Voilà, c'est comme ça que tu vois. Quand on va te blesser, ça va te diviser. Amen. Amen. Tu vas plus dire qui m'a blessé, c'est qui la personne imbécile. Hein? Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que vous allez faire désormais? Les bandes que vous avez avant, votre bouche, vous dites de n'importe quoi, sera désormais utilisé pour adorer Jésus. Alléluia. Votre bouche que vous utilisez, votre langue que vous utilisez, vous faites des blagues, des plaisanteries. Alléluia. Cette langue soit plus utilisée pour faire des plaisanteries. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les blagues, c'est fini ça. On est enterré. Un enfant de Dieu ne blague pas. Un enfant de Dieu ne fait pas de plaisanterie. La Bible dit qu'aucune parole désolée ne sort de ta bouche. Amen. S'il est arrivé un jour que tu t'es mis en colère, alléluia. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Parce que si le soleil se couche, ça va emporter toi. La colère va emporter toi. Donc vous venez tout de cette nature-là. Vous êtes devenu de nouvelles personnes. Et c'est pourquoi la Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et désormais, toute chose devient nouvelle. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vous allez aimer désormais? Vous êtes désormais de quel royaume? Royaume du ciel, n'est-ce pas? Donc vous devez affectionner aux choses d'en haut. Alléluia! Vous devez désirer les choses d'en haut. Et non les choses de la terre. Alléluia! Et la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez plus seul. Amen. Vous ne serez plus seul, parce que le roi lui nous sera avec vous. Ces anges camperont d'abord. Amen. Lorsqu'il va arriver des moments de difficulté dans la vie, dans la marche, après toujours, il a lorsque le monde va vous éviter, lorsque le monde va vous persécuter, lorsque le monde va vous haïr, et vous serez méprisé par sachez que Jésus est avec vous. Alléluia. Même si tu n'as pas mangé, Jésus est avec toi. Mais je vous connais, mais Jésus est avec toi. Parce qu'il y a plus à manger aussi. Alléluia. Il y a des bonnes choses à manger. Amen. Ce n'est pas les choses où les bouches là de déposer leur salut sur sa maison. Amen. Amen. C'est des repas, je ne sais pas comment on les appelle. Amen. Amen. Je ne connais pas leur nom. Alléluia. Amen. Mais je te prie de garder cette foi. Amen. Et le grand défi que tu vas relever. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois pas abandonner. Parce que au ciel, on a écrit ton nom. Non, dans le livre, en or. Jésus me dit qu'il a écrit pas un ange. Jésus me dit qu'il a écrit ton nom. Alléluia. Personne ne passera pour moi. Alléluia. Amen. Donc, le message de la paix, c'est voilà. Donc, sachez que désormais, ne vous comportez plus comme avant. Et vous devez rechercher vraiment la vie.
la parole, la prière. Désirer cela, le lait, la parole. Ça ne coûte pas en vous. Si quelqu'un fait que l'autre le soutienne. Amen. Donc vous formez une nouvelle famille. J'ai trouvé une nouvelle famille de des frères et des sœurs. Et Jésus-Christ est votre Père. Alléluia. Donc, je vous fortifie. Et de courage. Alléluia. Vous avez fait les bons choix. Malgré les affaires, malgré tout l'esprit de séduction du monde, vous avez rejeté ce monde. Vous avez rejeté le plaisir du monde. Vous avez rejeté la gloire du monde. Vous avez rejeté la beauté du monde. Et vous avez accepté vraiment la beauté du ciel. L'ignominie. Amen. Que le monde vous envoie comme une image. Alléluia. Cette ignominie, qui va la transformer en tout bien. Amen. Et chacun aura sa couronne. Gloire à Jésus. Amen. Donc, alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le bon berger, toi qui as donné ta vie à tes brebis, pour chacune de ces brebis ici, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont pris l'engagement de marcher réellement avec toi en nouveauté. Alors papa, je t'ouvre une vertu là. Oh, tu es un nouveau cas. Désormais, Seigneur, que tu es révélé pour te prendre le pouvoir. Le trône du Seigneur. Que chaque homme soit dans le Seigneur. Que chaque homme reçoive sa robe. Que chaque homme reçoive sa robe de Seigneur. Que chaque homme reçoive sa robe de Seigneur. Que chaque homme reçoive sa robe de Seigneur. Seigneur Jésus. Papa, oui, tu es effacé de leur péché. Papa, tu vas t'entendre. Ramener les enfants encore dans ce qu'ils ont voulu. Que le ciel et la terre protègent ces enfants. Tout ce qu'ils vont faire, Seigneur Jésus, pour les appeler à ta voix. Je prie pour toi que tu te lèves de ton trône, Seigneur Jésus, pour les défendre comme le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, que tu n'en arrêtes pas. Que le manger, le boire, le vêtir ne manque jamais à tes enfants, Seigneur. Qui ne manque jamais à tes enfants. Au point d'aller vers les païens, au point de se retourner vers les idoles pour chercher, Seigneur, pour ça n'arrive jamais. Seigneur Jésus, que le ciel, on est béni, Seigneur Jésus. Que tu ouvres les écus des cieux sur la vie. Et que chacun reçoive en abondance. Tout ce qui vont faire du dessus, Seigneur, qu'il les retourne en abondance au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te prie de les équiper. Équipe-les de ta parole. Équipe-les de la persévérance. Équipe-les de la force. De tenir jusqu'au bout, Seigneur. Papa, ce que tu as dit, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Alors je prie, Seigneur Jésus, donne-leur de persévérer jusqu'à la fin. Donne-leur de persévérer jusqu'à la fin. Donne-leur de persévérer jusqu'à la fin. Et que chacun soit couronné. Que chacun soit couronné. Que chacun soit couronné. Que les efforts qu'ils ont construits sur la terre soient couronnés de gloire, au Seigneur Jésus. Soient couronnés de gloire, Seigneur Jésus. Papa, que tu écrives leur nom parmi les vainqueurs. Écris leur nom parmi les vainqueurs. Ceux qui vont rester avec toi et manger à la table avec toi. Celui qui vont marcher avec toi. Celui qui seront toujours avec toi. Seigneur Jésus, que ceux-ci soient protégés dans ce livre, au nom de Jésus. Seigneur, je vous propose l'homme de papa. Seigneur, je te prie, papa, pour Dieu les papas. Conduis-les, Seigneur, que ton sang les coupe, que ton sang les cache désormais. Qu'ils soient invisibles à tous les systèmes de référence, tous les systèmes de localisation de ténèbres. Qu'ils soient invisibles à leur système au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, papa. D'avoir permis cette occasion. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Jésus. Amen. 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 Jésus. Comment maintenant, dans le joint, oui, c'est ça.